Bonjour. Bonjour. Nous sommes En Avant de Soute, une association créée en 2013 et nous avons mis en place, notre but c'est vraiment de lutter contre les violences faites aux femmes et aux personnes queer. Et nous avons donc mis en place un chat dédié à toute personne qui souhaiterait se faire aider, conseiller, c'est gratuit, c'est tenu par des professionnels. C'est anonyme et donc ce chat permet de parler des violences, etc., de se faire conseiller par des psychologues professionnels. Donc vous pouvez nous retrouver sur commentsem.fr, c'est le nom de notre chat qui est sur un des prospectus que vous pouvez trouver juste ici. Et nous faisons également des actions de prévention, donc dans des collèges, dans des lycées, dans des primaires, des commissariats, enfin voilà, plein de professionnels aussi de l'enfance, etc. Pour alerter sur les violences du genre, toujours les stéréotypes, comment accueillir la parole des victimes, etc. Et vous êtes sur Paris ? Nous sommes sur Paris, ouais. Rue de Vaugirard, à la Cité Audacieuse. Voilà. Et en gros, donc, c'est pour les jeunes personnes ou les moins jeunes qui se posent des questions sur leurs relations. Les ados ? Des ados, notamment. Si, par exemple, on se demande si cette situation est normale, si c'est normal qu'on se dispute autant, jusqu'où peut aller la violence, ben, il y a toutes ces réponses-là sur commentsem.fr. Vous pouvez parler directement avec un professionnel. C'est anonyme, gratuit. Et puis, les personnes sauront vous aiguiller et vous dire quoi faire et vous aider. D'accord. Et alors là, j'ai vu un genre de mascotte, là. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là ? Mister Relou. Mister Relou. C'est Mister Relou. Donc en gros, le but de Mister Relou, c'est que les personnes qui ont été victimes, par exemple, de harcèlement de rue, de violence, peu importe où, peuvent écrire sur des petits post-it les insultes qu'elles ont reçues et pouvoir du coup les coller sur Mister Relou. C'est un peu une manière de renvoyer à l'agresseur, faute d'avoir pu lui répondre à l'instant. Très bien. Voilà. Et alors là, donc vous êtes à la Cité Fertile pour quel événement ? Pour le festival Sorority. Eh ben bravo. Et alors sur votre stand, on trouve plein de petites choses. C'est quoi ? Là, c'est des petits des tampons, des tatouages, stand paillettes. On a aussi un atelier où en gros, on fait deviner qui a écrit ces paroles de chansons qui sont très souvent sexistes, violentes. Super. Donc, un genre de karaoké. Voilà, c'est ça. Et on a aussi un petit jeu de devinettes avec des questions pour un peu tester ses connaissances. Donc, par exemple, on peut en faire une pour voir ? Oui. Alors, je ne suis pas très forte à ça, mais peut-être que Matt Laffey va arriver. Plutôt culture, société. Et société. Ouais. Alors, quel est l'écart de salaire entre hommes et femmes à l'heure actuelle en France ? Bonus, quelle est la barre de discrimination pure ? Toutes choses égales par ailleurs, les temps de travail, structure, etc. Alors, il me semble que déjà au niveau de la retraite, c'est 42% de différence, mais salaire, ça dépend, c'est jusqu'à 24%. Ouais, crois, alors les hommes gagnent actuellement 22,8% de plus que les femmes. Voilà, donc les femmes gagnent 18,6% de moins que les hommes. Voilà. D'accord. Et ça s'explique souvent parce que les femmes ont plus de temps partiel, tout simplement, elles mettent un peu entre parenthèses leur carrière, et moins souvent des hauts postes malheureux. Ok. Donc voilà. Intéressant, bravo, c'est très ludique. Bon, vous êtes les bienvenus dans l'émission Camaillot de Femmes, hein, avec vos quiz et tous vos petits jeux, c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Donc, En Avant Toute, on le retrouve, il y a un site ? Oui, c'est ça. C'est En Avant Toute. Enfin, ouais. Sur les réseaux, c'est En Avant Toute. Et sinon, le site, c'est commentonsem.fr. Donc là, il y a toutes les réponses, il y a le chat. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci.